Chers pèlerins de l'Oratoire Saint-Joseph, et vous tous qui vous unissez à nous par le biais de Saint les Lumières, bienvenue à cette célébration à la fête du bienheureux Louis-Zéphirin Moreau, qui a été évêque de Saint-Hyacinthe en 1876. On dit de lui qu'il était plein de bonté envers les plus pauvres, et pour aider les travailleurs, il fonda une société de secours mutuel. À son exemple, Jésus nous invite à servir nos frères et nos sœurs avec compassion. La messe de ce matin est célébrée aux intentions de Mme Marie Baudin Descaries, recommandée par M. Serge Descaries. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Dieu est riche en miséricorde et plein de bonté. Demandons au Seigneur de nous donner un cœur prompt à regretter notre péché et toujours plus désireux de l'écouter. Nous ne sommes pas toujours attentifs à ta parole. Mets en nous ta sagesse, Seigneur, et prends pitié de nous. Nous ne sommes pas toujours portés à te prier. Mets en nous ta fidélité, Seigneur, et prends pitié de nous. Nous hésitons parfois à nous mettre au service de nos frères et de nos sœurs. Mets en nous ta charité, Seigneur, et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Prions encore le Seigneur. Seigneur, tu as fait du bienheureux Louis-Zéphirin Moreau, ton évêque, un pasteur vénéré de son peuple pour son zèle, sa piété et sa bonté. Accorde-nous d'imiter ses vertus pour vivre fidèlement nos engagements au service de ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du langage humain ou de la sagesse. Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. Et c'est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant, que je suis arrivé chez vous. Mon langage, ma proclamation de l'Évangile, n'avait rien à voir avec le langage d'une sagesse qui veut convaincre. Mais c'était l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient pour que votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Parole du Seigneur. Commandement du Seigneur est pur, il clarifie.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus disait à ses disciples : Restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux les serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, il prendra la tenue de service, les fera passer à table et les servira chacun à son tour. S'il revient vers minuit ou plus tard encore et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, tout au long de sa vie, le bienheureux Louis-Zéphirin Moreau a mis en pratique l'enseignement du Seigneur en demeurant constamment en tenue de service pour s'occuper des plus pauvres de son diocèse. Nous le voyons dans les évangiles, Jésus le premier a donné l'exemple à ses disciples. Il a accueilli les pauvres, guéri les malades, consolé les personnes souffrantes. Pour ses disciples, qu'il forme et enseigne jour après jour, il montre l'importance du service et confirme que lui-même n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Dans l'Évangile de ce jour, il insiste sur la nécessité, la nécessaire persévérance dans le service des autres. Restez en tenue de service, gardez vos lampes allumées. Autrement dit, ne vous laissez pas distraire par les préoccupations égoïstes ou futiles, soyez vigilants et attentifs à ceux et celles qui sont dans le besoin. Ce qui attire notre attention en ce jour, c'est la relation incontournable qui existe entre cette vigilance, cette persévérance dans le service de Dieu et du prochain, et le bonheur en cette vie et dans la vie éternelle. Comme le dit le psaume, tes paroles, Seigneur, sont l'esprit et la vie. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sage les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Dans cet évangile, le Christ reprend l'esprit des béatitudes. Heureux les serviteurs que le Maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Une récompense inouïe les attend.
Celui à qui ils doivent tout, ce Dieu d'amour, prend la tenue de service, les installe au banquet de noces de l'agneau et les sert chacun à son tour. Chacun d'entre nous est pour notre Dieu un être unique, un enfant bien-aimé. Il nous a créés pour ce bonheur éternel et il nous comblera en permanence en répondant à ce besoin d'amour qu'il a creusé en nous. Il veille sur nous comme un père. En lui, nous trouvons paix et joie. Comme le bienheureux Louis Zéphirin Moreau, comme saint frère André, demandons la grâce d'être des témoins fidèles de l'amour du Seigneur en demeurant en tenue de service. Rester en tenue de service, à sa manière, c'est ce que le frère André appelait la clé pour ouvrir la porte du ciel et qui se résumait en deux mots, la prière et l'amour. On agit ainsi quand on s'applique à mettre en pratique l'enseignement de Jésus, l'amour de Dieu et du prochain, le pardon accordé, la prière pour ceux qui nous contrarient, l'accueil de l'étranger, le partage du pain et de l'amitié, le combat pour la justice et la paix. Chers amis, que nos paroles et nos actes soient source de paix et de réconfort pour les personnes que le Seigneur placera sur notre route aujourd'hui, chaque jour. Et que l'Esprit-Saint nous donne la grâce de découvrir dans l'accueil et le service des autres un chemin vers la joie et la sérénité. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande que nous apportons à l'autel au jour où nous fêtons le bienheureux Zéphirin Moreau, en nous procurant ton pardon, qu'elle serve la gloire par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, les évêques auxiliaires Thomas et Alain, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur tous ceux et celles qui se recommandent à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres,
le bienheureux Louis Louis-Éphérin Moreau, Saint Frère André, les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, toute l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous le rappelle constamment, Dieu est un Père aimant, un Père qui est proche de nous, tant dans nos joies que dans nos peines. Redisons avec confiance cette prière de Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen.
Prions le Seigneur. Déjà rénové par cette Eucharistie, nous te supplions humblement, Seigneur. Puissions-nous, en prenant exemple sur le bienheureux Louis Zéphirin Moreau, professer ce qu'il a cru et pratiquer ce qu'il a enseigné. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À l'exemple du bienheureux Zéphirin Moreau, de frère André, demeurons en état de service tout au long de ce jour. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et bonne journée.